regarde-les. Ils sont pas beaux les copains. Salut Patrick. Allez, présentez-vous. Patrick Bruyère, président de la PPMA de Bastia. Antoine Aquaviv à PPMA du Niveau. Là. Et voilà, c'est avec eux que je vais pêcher aujourd'hui. Et on va pêcher là. Ou alors on va pêcher là. C'est moche, hein. Tu crois qu'on va prendre des poissons? Peut-être un. Oui, mais c'est pas sûr. Après l'autre. Ah, et qui c'est qui a l'embuscade, Patrick? Ça y est, on y est. Premier coup de canne qui arrive. Alors c'est un moment un peu de fébrilité parce que j'ai pas encore pris de truc encore ça va. C'est ma première. Et ils me disent que là, visiblement, vous voyez là, derrière, il y en a plein. On va bien voir. Hein. Une déjà, ça sera bien. Puis après, un peu plus si elles veulent bien être gentilles. C'est la première, elle est belle, hein. Elle est marbrée, dis donc, regarde un peu les taches qu'elle a partout. Ouh. Waouh, quel beau poisson. Et la taille de la caudale de ce poisson, c'est pas un gros poisson, mais elle a une caudale derrière qui est énorme par rapport à sa taille. Allez, je la remets à l'eau. Alors c'est magnifique. Trois poissons pour l'instant, et tous de la même taille. Hein. Pas moyen de piquer un poisson de plus de 17 ou 18 cm. Et franchement, c'est pas la folie, elles sont pas d'or de dingue quoi. Mais le soleil s'est caché, les conditions ont vachement évolué. Alors je mets ça sur le compte de ces conditions un peu particulières. Et que l'eau monte et descend sans arrêt, je sais pas pourquoi. Alors on voit là sur les cailloux la trace, hein. Il y a un bâtillage terrible, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de barrage en dessus. Alors est-ce qu'il y a de la fonte de neige, je sais pas. En tout cas pour l'instant c'est pas droit. Peut-être ça va s'y mettre. Continue. Alors ici c'est le royaume de la truite méditerranéenne, il n'y a pas de macrostigma, mais quand même il y a du beau poisson. Même si elles sont pas grosses aujourd'hui, elles sont marrantes à pêcher. C'est quand même des jolis poissons. Hein. Ils sont bien conformés. Ils ont des nageoires terribles. Allez. Allô. Elle est un peu plus jolie. Ça commence à être plus joli. En tout cas, elles ont une défense terrible. Allez, on va la regarder de plus près celle-là. Voilà. Joli petit poisson. Hein. Magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Et puis cette nageoire. Cette nageoire là, elle est vraiment démesurée. Allez. Ouf. Ça part vite, hein. On a pas le temps de les poser à l'eau. Ils sont filés. Impressionnant. C'est chouette, hein. On regarde. Il y avait 12 là. 12 poissons pris. 2-3 décrochés. Une paire de ratés. Un joli poisson là en bas. Il y avait un grand trou aussi. À merde un moment. Hein. Et pas moyen d'en faire une là. On a eu des attaques. Par contre là, il y avait un poisson qui faisait largement plus de 30. On va continuer. Belle petite passerelle. Qui mène un parcours d'accrobranche de l'autre côté. Des pics. Et ce qui est impressionnant, c'est ça. Là. Ça là, ce grand bout de ferraille. Il y en a un autre de l'autre côté, un autre plus bas. On imagine la violence. Parce qu'en fait, ce bout de fer, il va être là, entre ce pilier et ce pilier. On en voit là d'ailleurs, des deux côtés, on voit des bouts de ferraille. Ça a été arraché là, donc entre le pied de ce rocher et là où ça l'arrache, il a fallu qu'il y ait bien... Il a fallu qu'il y ait 4 ou 5 mètres là, entre le pied du rocher et la passerelle là. C'est impressionnant l'eau qui doit circuler là quand il flotte. De la flotte justement, si on regarde le ciel là-haut, on vient d'avoir un coup de fil d'un copain qui est plus bas au village. Hein. Il pleut comme ça.
c'est la saison, mois de mai. Fais ce qui te plaît, hein, pêche en t-shirt. Mais n'oublie pas qu'au mois de mai, quand même, début mai, il faut quand même avoir un imper à portée de main, on ne sait jamais. Alors, on y revient. 16 poissons, ça commence à être mieux. Ça fait 2 heures que je pêche. Et là, tendance générale aujourd'hui, sèche nymphe, avec une nymphe olive en pointe et un petit tavan avec la peau de mon pote, de Sébastien Ritz. Merci Seb. Ta peau là, elle est terrible. Merci mon pote. Voilà, c'est bon. Fin de session. C'est régalé quand même. C'est régalé. Combien de poissons tu fais? Je sais pas compter une dizaine. On fait pas mal de poissons, pas des gros, mais c'était une chouette journée. Je te remercie. Merci. M'a fait découvrir la rivière à Patrick Bruyère quand même. Voilà, il nous l'a prêté. Il nous l'a prêté pour la journée. On a tripoté de l'écaille. Hein. C'était bien sympatoche. Hein. Et puis, c'était joli. Ah, le cadre, les gars, le cadre. Si jamais vous passez en Corse, le cadre. Ouh, c'est juste énervant tellement c'est beau. Merci. Merci à toi. De ta journée, c'était chouette.